Oh là, attends, qu'est-ce que... Oh là 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 Oh là là! là, mais qu'est-ce que je vois? Mais qu'est-ce que je vois? Petit Charlie sur Octet en débattant avec Watch la fleur, mais il dit qu'il va sortir les deux dessus. La Charlie prend en compte à la fois la team et la solo queue avec quelques autres vecteurs qu'on décrira mieux dans la vidéo. S, Nami, Renata. A, Yumi, Lulu, Rakan, Nautilus, Pyke. A moins, Sona, Ashe, Senna, Karma, Zizou et Bard. B. Leona, Blitzcrank, Thresh, Xerath, Janna. Fromage. Fromage, à mon avis, ça veut dire c'est trop fort, à mon avis. À mon avis, ça doit être ça, non? Là, c'est que les pics qui sont forts, donc... C. Soraka, Morgana, Lux. Venant de la part de Yorai, je suis déçu. Je suis déçu. Il y a Lafleur aussi, je suis déçu. Sididi, déçu aussi. Et Coach Walid. Alors là, là, mes enfants, je peux vous assurer que... Dans le testament, je retire vos noms hein, de ma richesse. Vous n'aurez pas un pesos, sachez-le bien. D, Brom, Tarik, Kalistar, Galio, Gragas et Rel. Plutôt d'accord. Après, bon, en fait, le truc, c'est qu'on aurait dit équipe. J'aurais été plutôt d'accord, tu vois. Mais bon, ils disent solo queue avec. Je vais poser ma tier list, par contre, je vous le dis direct. Hein. Allez, ça part. Je vous rappelle que c'est celle-là. Merde, c'est pas du tout ça, la tier list. Mais il est où mon tweet? Pardon. Voilà. C'est cette tier list là, les amis. La seule et la vraie. C'est la seule truc qui peut vous permettre de monter en elo. Ça a été... On a débattu longtemps. Vu les milliards de games que j'ai fait en 11 ans de jeux vidéo. Je peux vous assurer que j'en ai vu les pics. Des pics de merde, j'en ai vu. Des gens... En fait, c'est plutôt les gens vers les pics. Ces pics-là, c'est les meilleurs pics pour assurer le steak. C'est-à-dire qu'en gros, vous ne serez jamais inutile au possible, comme des persos comme Jin, en solo queue. Donc ça, c'est giga bon. Vous êtes bas elo, vous vous concentrez sur ces pics-là. Vous allez voir des guides sur le pic. Par exemple, vous aimez Kled. Kled, je pense que c'est largement bon pour monter à bas elo. Largement. C'est pas méta. C'est pas jouable à haut elo. Ça sert à rien. Mais ça restera très fort pour monter. Même Tito. Hein. Tito, c'est un farmer de noobs. Hein. Vraiment. Hein. Il est assez dur. Ouais. En fait, je me permets de dire c'est dur parce que Kindred, faut connaître les patterns et hit and run. Lee Sin, faut être très bon mécaniquement. Nidalee, faut savoir counter jungle et toucher ses spears. Sinon, c'est de la merde. Lilia, c'est le gros hit and run. C'est fort, mais quand elle va être nerf, le perso, il va être moyen. Tu vois ce que je veux dire? Jayce, c'est un perso qui est fort, mais il faut être bon dessus. Et il faut être bon en top lane en général. Et avoir un minimum de macro. GP, c'est un personnage assez skilled. Hein. Faut pas croire que c'est... Il est très fort, mais c'est skilled. Shaco, c'est pareil. Shaco, c'est un personnage, faut le connaître. Sinon, ça marche pas. Talia, c'est un personnage, pareil, mécaniquement, ça demande. Tryndamere, c'est pas dur à jouer mécaniquement, mais c'est un pic qu'il faut... connaître dans les match-ups, parce que tu peux te faire ainsi sur certains match-ups. Zeri, c'est du hit and run pur, et Yasuo, pourquoi ils ont 15 morts par game? Bah, parce que le champion, il demande... Enfin, il est trop demandant mécaniquement. Beaucoup trop demandant. Mais il est très fort. Hein. Pour Fiddle, c'est pas le champion, mais les artistes qui le jouent. C'est vrai. C'est vrai, côté ce que tu racontes, là. Non, non, c'est vrai. Tu as raison de dire les termes. T'en penses quoi, Xerath support? Je l'ai mis ou pas, Xerath support? Je l'ai pas mis. Ouais. C'est tendancieux, Xerath support. Je pense qu'il est fort pour monter. C'est vrai que je l'ai pas mis. Mais voilà, il est un peu... Ouais. Aucun enchanteur sup. Absolument aucun. La pire tier list de l'histoire. Putain, Yanis. Yanis, j'aime trop Paris. Allez, c'est bon. Même pas, je calcule. Trop teammate dépendant. Il m'a dit la pire liste de l'histoire. Il n'y a pas un champion qui est pas fort dans cette tier list. Il n'y en a pas un. Littéralement pas un. C'est que des noobs stompeurs. Vous montez pas avec ces pics, c'est vous le noob. Voilà, je vous le dis. Après, il n'y a que l'AD et le support, peut-être, faut être un peu limite. Mais bon. Attention, avec Cassio, super bien, tu joues Bruiser, j'ai 14 en 15 grammes. Tu bats du Soukong et tu joues Ignite selon les pics. Ok, Sardoche. Ok, moi, ça marche. Lui, c'est un grand fan de Sard. J'aime trop, il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi. Ça, j'adore quand les gens sont pas d'accord avec moi. Parce que du coup, moi, naturellement, je vais essayer de les convaincre, tu vois. Alors je sais qu'ils sont nuls au jeu, hein, mais je vais essayer de les convaincre. Hein. Non, je suis désolé, mais je suis obligé de counter tier list quand je vois une tier list. Enfin, Yorai, quoi, Yorai, mais je suis... Mon cœur est fendu, c'est un très bon support en plus. Hein. Parce que si je dis à ma communauté, jouez Nami pour monter, ils vont me dire, Dai, tu es un fumier. Mais Dai, tu nous trahis, et ils auraient raison. Parce que ils vont passer 3 milliards de games avec des silver ADC, c'est-à-dire des gens qui sont en arrêt cardiaque en permanence, et que même moi, en étant médecin en 8e année de médecine, je sais pas quoi, je peux pas les sauver. Alors t'imagines bien que... Voilà quoi. Là, je me régale. Là, je vais regarder tous les commentaires, je vais me régaler. Il y a tous les ADC sauf Kalista et Jin. Kalista, Jin, Twitch, Vayne, les poubelles de la solo queue.
littéralement les poubelles. Alors là, les gens, ils vont rager. Je pense qu'il y a des gens, ils me détestent. Je pense qu'ils pensent que j'ai un avis d'Oberman, quoi. Pop à Victor dans ta tierlist. Trop moyen, il faut farm. Faut trop farm. C'est un champion qui est fort, hein. Je dis pas. Je pense qu'il y a mieux pour stomp. Pas des Silas, qu'est-ce qu'on avait mis? Pas des Akali, des Akshan, ça se tombe fort. Même Annie, ça se tombe fort très tôt. T'étais là en mode, allez, t'explose. Cassio, c'est très fort, mais faut savoir la jouer. J'aurais peut-être pu la mettre là, mais bon. Putain, j'aurais dû mettre, je débat pas avec vous, putain. Ça c'est le mieux sur Twitter, tu mets genre des trucs très très all-in, en mode mais je parle pas avec vous, c'est bon, tu sais, genre très très ego player, pff, les mecs ils pètent un plomb, et là je peux débattre. Comment ça Trinda, Talia trop dur à jouer? Oh Ryan, s'il te plaît, tu sais jouer Talia toi Ryan? Envoie-moi ton pseudo, ouais. Monter avec tous les champions c'était bon, non? Non, ça c'est faux ça. Ça, tu sais qui c'est qui dit ça? C'est les challengers qui pensent que qui sont jamais allés à Bailo en fait. Les challengers qui vont te dire qu'avec Yumi ils peuvent monter, avec Soraka ils peuvent monter. Non, en fait non. Mais ils vont monter en 4 fois plus de temps qu'avec des personnages. Moi aussi, c'est une question aussi d'optimisation pour l'élo. Hein. Apprendre relativement rapidement, comprendre le jeu et monter en élo relativement rapidement. Moi, Soraka, vous jouez 4 ans, vous êtes silver, vous allez passer gold. Hein. Mais il n'y a pas de problème, les mecs. Après, super dur d'apprendre le jeu. Ouais, je sais bien. Je sais bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cette tier list, c'est pour moi le meilleur moyen que vous puissiez comprendre League of Legends tout en montant un minimum en elo, tu vois. Et après, pour la macro, par exemple, ce que je vous conseille, c'est d'après d'aller... Mais après, c'est bien plus tard, tu vois. Mais de jouer plusieurs rôles. Par exemple, moi, j'étais toujours support. Le fait de jouer mid m'a appris énormément. Puis là, le fait de jouer jungle, ça m'a appris aussi énormément. Je comprends énormément de choses sur ce qui se passe dans la game, tu vois. Et le problème, c'est que les gens sont des OTP. Ils jouent qu'un seul champion et sur un seul rôle. Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse de ces gens-là? Ils vont être bons mécaniquement, mais ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans la game. Aucune. Ils se sont jamais mis la place d'un top, jamais mis la place d'un jungle, jamais mis la place d'un mid, ni d'un AD, ni d'un support. Et en plus de ça, les pros qui aussi ne se mettent jamais à votre place, en fait. Ils vous disent des bons conseils, mais des conseils qui sont situationnels. Quand j'entends jouer Nami pour monter, je peux pas laisser dire ça, en fait. Je peux pas laisser comme ça. C'est pas possible. C'est illégal, en fait. Les mecs, ils les emmènent à l'abattoir, là. C'est pas possible.